Bonjour à tous. Dans le cadre des cours de programmation, on va utiliser des simulations pour faire des travaux à la maison et pour faire des travaux également en ligne. Pour la partie Rockwell, on va utiliser l'automate virtuel qui est le Studio 5000 Logic Emulate. Donc, si je clique deux fois dessus, vous allez voir qu'il y a un automate virtuel qui s'ouvre. Puis, on va y transférer un programme d'automate. Si vous cliquez deux fois sur Studio 5000 French, vous allez voir, dans le cours de régulation, on va utiliser la simulation des bancs MFT qu'on a au Cégep. Donc, j'ai développé la simulation. Vous voyez que bancs MFT API, c'est le programme de simulation. On va l'ouvrir. Puis, dans ce programme, il y a une tâche qui s'appelle simulation qui contient le programme qui permet de simuler le procédé. Donc, lui, on ne le modifiera pas. Donc, vous devez vous programmer votre programme dans la tâche qui s'appelle Main Task, qui est la tâche principale. Donc ici, vous pouvez ajouter des routines dans différents langages de programmation. Et pour transférer le programme, on va dans Communication, puis on vérifie avec Key Actif. On vérifie que l'automate virtuel est bien vu. Vous voyez que le VPB, Virtual Backplane, présentement, j'ai un automate qui est connecté. Donc, je vais charger le programme dans l'automate virtuel. Puis, pour voir le procédé, on va ouvrir une deuxième fois, donc une deuxième occurrence de Studio 5000, mais pour avoir l'écran graphique. Pour ça, on va chercher banc MFT IHM pour interface humain machine. Donc, on l'ouvre. Le même logiciel, Studio 5000, permet d'ouvrir des programmes d'automates et des interfaces humain machine. Une fois que vous voyez le procédé, il faut aller dans les Project Properties, s'assurer que le logiciel View Designer voit bien l'automate virtuel. Donc pour ça, vous devez vous assurer ici que l'émulateur qui est connecté, donc l'adresse IP de l'émulateur qui est entrée dans la première section en cliquant sur les trois petits points, vous devriez voir l'automate. Donc cette fois-ci, c'est par le driver Ethernet IP. Donc, le hub Ethernet IP 1, vous devriez voir l'automate virtuel. Vous faites OK, puis vous faites Apply. Puis ensuite, vous venez sur l'icône Emulate Project, vous cliquez dessus, puis la connexion devrait se faire. Quand l'interface est démarrée, on peut mettre le logiciel en attente, puis on va aller rechercher pour vérifier que ça fonctionne. On va aller rechercher le logiciel de Studio Logix. Puis, vous voyez que de mon côté, j'ai mis un petit programme. Si j'appuie sur le bouton poussoir automatique, la lumière auto devrait s'allumer et la même chose pour manuel et arrêt. Donc, je vais mettre mon automate en fonction. Donc, je mets mon automate en mode run. Et je viens appuyer sur le mode automatique. Et vous voyez que dans mon programme d'automate, ça fonctionne. Si j'abaisse un peu et que j'appuie sur manuel, ça fonctionne aussi. Et le bouton arrêt, ça fonctionne. Donc vous allez faire votre programmation dans la routine principale ou dans d'autres routines que vous allez créer. Vous allez mettre vos variables dans paramètres et tags locaux ou points de l'automate. Si on va voir dans points de l'automate, vous pouvez voir que toutes les entrées sorties qu'on retrouve sur le procédé se retrouvent dans les points de l'automate. Donc ce sont des variables globales. Ça l'inclut, si j'agrossis ma fenêtre, ça l'inclut
toutes les entrées qui sont des entrées tautoriennes, donc du booléen, également des entrées, des sorties qui sont analogiques, que j'ai déclarées comme étant des entiers.